C'est un programme qui est basé sur 85 bourses que l'État roumain mettait à disposition de étudiants haïtiens et cadres professionnels haïtiens pour capable participer dans programme ça, pour capable postuler pour programme ça. C'est un programme qui est totalement géré par le gouvernement roumain hein, à travers le ministère des Affaires étrangères dans l'autre bord et à travers le ministère de l'Éducation nationale l'autre bord. Définitivement date limite pour programme ça, pour inscription et soumission de toutes pièces sous programme ça, c'est janvier 2014, fin janvier 2014, et tout document supposé soumettre au plus tard et le Sahara, le consulat et que nous-mêmes nous acheminer document ça en Roumanie parce que c'est Roumanie qui a décidé qui est-ce que la baille boursio et d'après analyse par yo, d'après analyse de dossier yo. Et certainement c'est un concours relié donc monde qui gagne postulant qui gagne un dossier qui est assez fort comparativement à d'autres peut-être que la Roumanie ou même d'après critères par eux il y a déterminé qui est-ce que les bail et bourse. C'est première année n'a pas implémenté programme ça ou bien il était existé déjà? C'était un programme qui était existé déjà et cependant il n'est pas vraiment en vigueur compte tenu que pas de représentation diplomatique de Roumanie en Haïti et pendant les derniers 5 ans ça yo et certainement et Haïti qui nous représentait un pays qui est assez important en matière de relations internationales pour la Roumanie et parce que j'ai eu des relations auparavant et avec à travers moi-même certainement programme ça l'a renforcé et c'est une optique ça qui fait que moi là je suis capable de parler de programme de bourse d'études ça que la Roumanie a offri et à tout cadre qui t'a voulu participer et manifester intérêt pour être capable de participer dans le programme. Ça. Et vous parlez de cadres, vous parlez d'étudiants, et dis-nous clairement qui public non visé, qui type de monde qui postule en visé, et puis qui conditionnalité. Certainement, et postulant qu'on visé, c'est étudiants qui finissent et bac 2, un bac 2, qui besoin postuler pour une licence. Et c'est postulant qui déjà gagne une licence ou bien cadre professionnel qui déjà gagne une licence qui a fonctionné déjà en tant que professionnel yo capable postuler pour une maîtrise et ça qui gagne une maîtrise déjà souterrain qui peut-être pas beaucoup comme nous connaît et pas offrir en pile maîtrise en Haïti malheureusement l'université pas gagne moyen ça pour faire ça cependant monde qui t'a déjà gagné haïtien qui t'a déjà gagné yo déjà capable postuler pour un doctorat et en Roumanie et à travers bourse études ça yo et il y en a bah qui très bien dans programme ça c'est que pas gagne restriction d'âge. Donc et si que vous avez on maîtrise depuis des années vous voulez poursuivre pour un doctorat vous capable postuler pour capable faire doctorat en Roumanie. Donc pour information qui liée à ça postulant a besoin que j'ai capable joindre information ça en tout cas le moins ce que tu as dit de yo c'est que ça. Et ça m'était capable d'capable inviter en premier lieu que un monde qui est intéressé pour capable visiter site du ministère des Affaires étrangères nous qui c'est www.mae.ro. Il y a une option comme c'est en roumain que site là lié et il y a une option plus capable et choisir le français et qui capable permettre capable lire sous différentes activités que le ministère là entreprendre y inclut programme ça il capable faire recherche sous site là mettez bourse dans champ de recherche là. Et là, le programme n'a pas monté qu'à prendre plus d'informations sur le programme. Il est capable de passer tout dans le consulat parce que tout dossier supposé remettre à consulat, il n'est pas capable de directement en Roumanie. Et tout supposé venir dans le consulat et au plus tard en janvier 2014, et tout formulaire est supposé rempli avec des pièces qui supposé soumettre et qui pour accompagner le formulaire ça yo, et que nous-mêmes pour nous voyer en Roumanie et au début du mois de février 2014. Donc certainement, et mis à part de site internet là, et tout le monde capable passer dans le consulat qui c'est dans le collège Oswald Durand. Qui c'est dans 18 impasse Rigaud Bois-Vernat en descendant dans coin Wilburn et impasse Rigaud c'est l'atelier et collégiens et moi nous au dernier étage consulat lié au dernier étage de l'école là. Est-ce que Gagnons et programme de Boussa répond à un besoin et que la Roumanie ouais en Haïti ou bien c'est un programme les gagnants pour tout pays les gagnants relations diplomatiques avec eux?
Li wè bezwen certainman an Haiti paske an pil etudyan haïtien yo manifeste entere yo a traver plizyon sit internet ki atache a ambasade la e a minister afè etranjèl ki en bu de entere ke haïtien genyen pou yale e fè etudyo an Roumanik pou yo fè demande de bous. Donk an repons de sa, mwen mèm personèlman mwen te fè de demanche pou mwen te pale de sa avèk ambasadeur roumen ki akredite pou Haïti e surtout otorite roumen yo pou mwen fè yo kompran importans de program de bous sa pou haïtien yo. E surtout ke mwen mèm mwen nan edukasyon, tout fami mwen nan edukasyon e kom mwen di ou kolej Oswald Durand se yon patrimoine familial ke liye e nou nan edukasyon, donk nou eseye la pou nou kapab eseye epole etudyan e kade haïtien yo otan ke posible. E ou ka di nou ki tip de bous nan ki domen kon sa moun yo kapab postule? Certainement. E tip de bous ke domen prioriter ke gouvernement roumen li etabli pou postule, se science politique, science administrative, et architecture, les arts, éducation, médecine vétérinaire, journalisme et communication, pétrole et gaz, culture et civilisation roumaine. Donc ça c'est chance à yo qui prioritaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a projeté un postulant s'il appliqué pour un autre domaine, mais cependant et domaine prioritaire ça c'est eux-mêmes que Roumanie y consacrer plus attention à eux-mêmes pour programme de bourse études.